Oui, on va aller faire du sport ce matin avec Laurent. Vous connaissez le Krav Maga? Eh bien, ce sont des techniques d'autodéfense. Alors, au départ, c'était pour les militaires, mais c'est adapté au grand public. Il y a de plus en plus de clubs, c'est très à la mode. Et on va retrouver Laurent dans le club de Rouen. Et voilà, on vient donc voir Corinne se débarrasser de deux agresseurs. Raymond, explique-moi un petit peu quel est le but du Krav Maga, c'est ça, hein? Le Krav Maga, donc, c'est se tirer de certaines situations. C'est une technique de self-défense qui permet de se sortir de différentes situations d'agression, des fois agression simple, des fois agression un petit peu plus importante, comme on vient de le voir, sachant que être attaqué et au couteau et se faire étrangler dans la rue, c'est quand même relativement rare. Oui, on n'est pas sûr. Mais c'est aussi ça apprendre une confiance en soi. Tout à fait, tout à fait. Sachant aussi que Corinne est ceinture noire troisième dan, l'une des plus haut gradée en France et la plus haut gradée en Normandie, donc c'est le haut du pavé. Ah d'accord, alors Krav Maga, ça veut dire quoi exactement? Donc ça veut dire combat rapproché en hébreu, puisque le Krav Maga vient d'Israël. Et là c'est des adultes. Les cours, ça marche comment en Normandie? Donc la plupart des cours se font au niveau des adultes, mais on a depuis 2 ans initié une section adolescent à partir de 12 ans, 12-17 ans, donc sur Rouen, au gymnase Mandela. D'accord, et toi, tu t'occupes de beaucoup de clubs, parce que tu es professionnel. Tout à fait, c'est mon métier. Depuis très longtemps, j'enseigne depuis l'âge de 18 ans les arts martiaux et professionnel depuis cet âge-là. Et j'ai 10 sections sur toute la Normandie et une sur les Yvelines. Et donc, tous les jours, du lundi au samedi, je roule pour donner des cours partout avec le plus grand club de Normandie. Là, par exemple, c'est des étranglements, tout ça, c'est plutôt des choses qu'on peut avoir dans la rue. Donc, du coup, les attrape quand on nous attrape par derrière, c'est un peu ce qui vous mimez là, ce qui Tout mime. à fait, voilà. C'est en travaillant au ralenti, on répète de très nombreuses fois les techniques au ralenti pour pouvoir après les appliquer à vitesse réelle en cas d'agression réelle. C'est un peu toujours les mouvements, il faut avoir d'autres sports, il faut connaître d'autres sports de combat ou on peut commencer en étant complètement débutant? Tout à fait, on peut commencer en étant néophyte et commencer par le Krav Maga permet directement d'appréhender au mieux les choses. Bien entendu, quelqu'un qui a pratiqué de nombreuses années d'autres arts martiaux, sports de combat, vont se sentir encore plus rapidement à l'aise, mais il n'y a aucune obligation. Ok, c'est vraiment une notion de confiance en soi, quoi. C'est pour ça que... Corinne, est-ce que je peux te... Viens me voir, hein. Viens me voir, on va faire un dernier petit mot avec toi. Quel est l'intérêt pour toi de faire ce sport, pour une femme? Alors, le premier intérêt, c'est déjà d'acquérir confiance en soi, en ses capacités, à pouvoir réagir facilement avec des outils qui nous sont à portée de main, c'est-à-dire nos mains, nos coudes, nos genoux, nos pieds. Avec des choses très simples, en fait, on peut réagir et on est en capacité de réagir. Déjà, d'avoir conscience de ça, ça donne énormément confiance en soi. Et du coup, tu ne te positionnes plus en victime? Oui, c'est ça. On ne se positionne plus en victime. On est conscient de son environnement, on n'est pas les oreilles bouchées par les écouteurs, les yeux rivés sur le téléphone. On regarde ce qui se passe autour de soi sans être pour autant complètement dans la paranoïa. Mais voilà, on est aux aguets. On est aux aguets, ben voilà, et ben on va bien voir les aguets parce que après je vais m'y mettre. Hein. C'est Raymond, il va me montrer, c'est ça? Tout à fait, une petite initiation maison. Voilà, une petite initiation maison et j'ai hâte, comme on dit. Hein. Et nous aussi, on a hâte de voir cette initiation maison.